Oublié de lancer la VOD. Mais bienvenue à vous sur ce stream. On est actuellement en train de faire des Game Viewers. Les Game Viewers du dimanche. Vous le savez très bien. Et puis, on est parti sur la péninsule Antarctique, la nouvelle map de la saison 3 d'Overwatch. Et puis, voilà. Oh, vous voulez... Est-ce que vous voulez pêcher un petit peu? La pêche. Waouh. Les pauvres petits poissons, ça me fait de la peine. Les pauvres petits poiscailles. C'est trop triste. Où sont les pingouins? Les manchots? Ils sont où les manchots? Ils sont pas là? Ils sont pas là. Je sais pas pourquoi ils sont pas là. Mais ils sont pas là. Alors, cette map est gigantesque. À chaque fois, je ne sais pas où aller. C'est un enfer. Vous savez un petit peu vous repérer dans cette map maintenant? Ou comment ça se passe? Je crois que j'ai joué 3 fois dessus en tout. Dans ma vie, genre. Oh, il me saoule avec Boule, lui. Boule. J'apprécie, Boule. Ah. Pas de soucis. Pas de soucis avec Boule, t'inquiète. T'inquiète. Par contre, Airbolt, j'espère que... J'espère qu'en regardant ton profil, je vais pas voir que tu es main ball en top 500, hein. Sinon, je vais m'énerver, hein. Attention à toi! Oui, monsieur! Je suis un rat de laboratoire! Pas son bras MDR, eh bien si! Il a quand même pas cru qu'il avait pouvoir jouer ball et qu'en plus de ça, on n'allait pas le counter! Non, mais attends, on me marche sur la tête là! Attends, parce que t'as un pic qui est beaucoup plus rigolo. Qui est genre Reinhardt. Et tu prends ball. T'es one. Non, il est one. My bad. J'ai utilisé mon ult un peu n'importe comment là. Putain, le rayon laser de 6 mètres, c'est un truc de ouf. What the fuck. Je suis quel rang? Je suis un diamant à peu près. Plate. Plate diamant. Mon DPS. C'est à moi maintenant. Je sens que la boule est dernière nous là. Ah, je le savais. Non mais regarde là. T'as cru faire quoi là? Excuse-moi boule, t'as cru faire quoi? Y a une... Nice. Merde. Je l'ai vu en plus, j'ai trop le seum. Je l'ai vu. Genre je te demande putain. On va quand même pas oser faire ça. C'est qu'on a une dent contre moi. On a une dent contre moi, effectivement. Attends, je comprends pas pourquoi, mon perso est vraiment cool. Oh, le piratage c'est vraiment très cool hein. Je suis une pirate. Bonjour à tous, je suis une pirate. Merci Freestyle pour le soutien. C'est très sympa de ta part, j'attends Bolin. Alors, allez, Wad. Oh, je vais vraiment pas au corps à corps avec ce perso. Ils sont lourds en vrai. Voilà. Oh,
Tout à fait, ouais. Salut, Tresseur Ange, 55, ça va et toi? Je suis bronzin, je n'arrive pas à monter avec les teams avec lesquels je joue. Essaye de trouver des potes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais bronze, j'ai trouvé des gens qui étaient silver. Puis quand j'étais silver, j'ai trouvé des gens qui étaient plates. Puis après, tu... En fait, tu level up si tu joues avec des gens qui sont plus hauts que toi. Pour moi, c'est le meilleur moyen de progresser, quoi. Tu peux même pas progresser autrement, honnêtement, je pense. Hein. Je suis un monstre. Il est investi, hein. J'ai jamais vu une balle aussi investie contre une sombra. Attendez, hein. Parce que en fonction de son... Et tu rultes. Attention à ta carrière privée là. Attention à toi. Attention à toi. Attention à toi. Nice try. Hey, t'as vu hein? J'ai essayé. Salut Happy. Hey, je vous le dis, hein, si le mec là, qui est déter sur Ball, qui tryharding ses grands morts, et s'il est top 500 avec Ball, je. Voilà. Les game over, hein. Bonsoir. Voilà, voilà. Ah, il a de la chance d'être en privé, hein. Il a de la chance, moi je vous le dis. Ouais, je vais garder son bras, je pense que ça marche bien. Même si on a perdu, en vrai, on peut le faire. We can do it! Allez, de toute façon, je connais rien à la map, là. Je vais quelque part, je sais même pas où je vais. Je vais derrière eux. Bonsoir. Oh, la pauvre. Ce qu'on lui a mis. Nice, ils ont plus de heal, ça c'est parfait. Putain, ça m'a fait peur. Je me suis TP pour rien. Merde. Ça sert à rien en vrai. On devrait interdire les carrières privées en Game Viewer. En vrai, non, mais c'est juste que... Je sais pas si c'est très fair play, tu vois. Si le Boog est top 500 sur Ball, et que là, il joue Ball en Game Viewer, il joue son main role et tout. Je sais pas, tu vois. Je suis un peu perplexe. Après, si c'est pas le cas, tu vois, y a pas de soucis, hein. C'est juste, si c'est son main perso, c'est un peu... Merci. Hey, il faut beaucoup rester sur la cible hein, pour la hack. Je joue vraiment pas souvent son bras, et là... Putain, le bruit que ça fait... À 10h du mat, on peut pas rejoindre la partie? Personne ne dort ou quoi là? Il faut que tu regardes la partie. Je suis... Je suis vouée à éternellement expliquer en boucle la même chose le dimanche. Oups, je voulais pas du tout faire ça. Nice. Ah. Map de merde. Quelle idée de mettre un mur là. Un plafond. Chier. Ouais, on est déjà dimanche. Demain c'est les examens pour moi. Aïe aïe aïe. Bon courage. On n'est pas du tout dans la même team là. Tutu. Ah, le son avec le nano, ouais, c'est encore meilleur, j'imagine. Attention à toi. Ouh.
J'ai chaud, hein. Bon, je me mets un petit peu loin en fait, hein, en vrai, à chaque fois. Ça me fume son bras parce que c'est vraiment un gameplay de rat, tu sais. Genre, t'es là, tu as quelqu'un, tu lui fais un petit peu de damage. Et puis à la seconde d'après, t'assumes pas. Fais chier. Son bras, voilà, c'est ça, le petit rat qui est là. Je suis un pantera. Dommage. On a presque utilisé tous nos ults. Et c'était pas mal en vrai l'ult que j'ai mis sur le point parce que j'ai empêché la Moira de coalescence et désactiver les bombes. Ce qui était vraiment cool. On avait un petit avantage, mais ouais. Cela n'a pas suffi. Mes aïeux. Qui va là? Est-ce que vous pensez que je peux l'avoir? Nice! Nice. Je suis peut-être un peu trop peureuse. Oula, oula, oula! Mince, le point. Nice. Tip top. Elle est juste la Pharah. Si on arrive à la voir. Only the Pharah. Ah, on n'a pas dit de scan, hein. Il est one. Nice. Allez, j'arrive. C'est dommage. GG. Bien joué, bien joué. Nice. Bah, c'était solide. Salut Ita. Salut Moon. Putain, je crie. J'ai trop l'habitude de crier quand je stream. C'est moi, wesh. Pourquoi tu prends pas ton vrai compte? Pourquoi tu smurfs? On t'aurait mis tout le monde d'un seul côté. Bull sur cette map, il est trop marrant à jouer en vrai. Ouais. J'imagine en vrai, j'ai jamais essayé. Puis Bull en ce moment a l'air vraiment, vraiment pas mal. Mais faut le gérer hein, le perso, moi je le gère hop. Hein. C'est ça aussi. Hein. Alors, double shout. Aigle chauve. Droopy. Hop. Moi, ce que je disais, si le Boog qui est top 500 là, si toi là, tu joues Ball de manière. Genre souvent, et que tu joues Ball en Game Viewer, t'as vraiment. Hein? Attention à toi, hein? Vraiment aucune pitié, quoi. Je joue jamais Ball. Ok, ça va, ça va. Ça va alors. Pourquoi est-ce que j'ai les attaques? Polar Tick, ok. Petit Yves activé, un tank. Eh, c'est marrant, ils ont remis les maps tout CP par défaut. Donc là, on était sur un point de contrôle. Avant, on était sur une hybride. Sur quelle map vous voulez, là? Quelle map voulez-vous? Salut, Gexou. Ah, moi, les pseudos que je reconnais pas et qui sont trop chiants dans les games comme ça, là, moi, je... Tu vois? Mais ça va, c'était rigolo.
Salut, Sad. Hollywood. New sub. New sub. Qu'est-ce que c'est, new sub? Ah non. C'est parce que tu t'es sub. Merci, Ita. Merci pour le sub, bienvenue à toi. Merci pour le prime. Salut, Roms. Havan, Hollywood. J'aime bien Hollywood, hein. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'on fasse une map genre escorte, là. On en a pas fait. Après, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Je sais pas. Donc on va aller sur Hollywood. Allez, c'est parti. Il faut équilibrer un minimum. Alors, ceux qui n'ont pas changé leur icône de joueur, s'il vous plaît, pouvez-vous le faire, notamment Six et Angle Deers? Est-ce que vous pouvez changer votre icône de joueur en fonction de votre Elo, s'il vous plaît? Non mais c'était solide. Eh, t'as vu, j'ai essayé de te counter avec son bras. Hein. Franchement, ça marchait bien. Franchement, ça marchait bien. Alors que j'ai genre 3 heures de son bras, je crois, dans toute ma vie. Salut Matisse. J'ai 3 heures de jeu, genre. Je crois. Attends, temps de jeu. Sur tous les modes, s'il te plaît. Tous les modes. Hop, son bras, elle est où? Elle est où, son bras? Putain, mais j'ai trop bien deviné. J'ai 3 heures. Voilà. 3 heures de gameplay. Bonsoir. Ça va? La meuf n'a jamais joué le perso de sa vie. Je suis vraiment chiante. Let's go. Bah, ta boule aussi est vraiment très relou. Bestie. Tu l'as séché le perso? Moi, je n'ai pas du tout séché. Alors, du coup, nous avons... On a une game remplie de gens qui ont changé leur icône de joueur en fonction de l'autre. Hello, moi, ça me fait plaisir, ça. J'aime voir ça. Alors, nous avons... Eh bien, c'est simple, on fait comme ça. Gold, gold, gold. Non. Et plate. Alors, qu'est-ce qui est plate ici qui ne l'est pas là? Le master, je crois. Ah non, le gold. Ouais, c'est le gold. Ok, bon, ça devrait être équilibré en vrai. Allez, c'est parti. C'est parti. Bah, c'est le but de son bras, c'est surtout d'agresser la backlane, je trouve, et idéal de prendre un kill. Moi, j'ai bien aimé emmerder la ball. La hack en boucle. Parce qu'elle nous faisait chier, hein, cette ball. Purée. Merde. Est-ce que je joue Cassidy? Allez, venez affronter le Cassidy. Par contre, on va changer de skin, parce que là, on dirait vraiment un SDF. On va changer de skin. Où est-ce qu'il est, le skin que j'aime bien? Ziak. J'adore le rap. On va prendre le skin qui s'appelle Ziak. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup d'armes en or, ouais. J'ai vu le message dans le chat, effectivement. Je suis plutôt riche à ce niveau-là. J'ai jamais eu cette coupe. Je suis plutôt riche, ouais. Je suis plutôt blindax, en effet. Oh, waouh! Oh, la belle emote et le beau skin, mais regardez-moi ça! Regardez-moi ce skin de beau gosse. Et vous savez, une fois, on est rentré dans une game, et j'étais avec Cloud. Et Cloud, il aime pas mettre de skin. Parce que il a l'habitude avec le skin classique et tout, donc il met pas de skin. Et à un moment donné, il y avait un mec avec nous qui commence à trash talk Cloud, et il y en a un autre qui réplique en disant « Non, mais arrête de le trash, il est nouveau. Il est nouveau sur le jeu, il a pas de skin. » Sans doute, oui. Effectivement. Il a fait la strat des Fortnite, là. Mais je suis morte comme un... Regarde. Je me suis étouffée. Je vais... Et c'était très rigolo. Genre, ils ont réfléchi comme dans Fortnite. Pas de skin égale nouveau perso. Nouveau joueur. Oh, par contre, Junkrat... Oulala! Calmez-vous tout de suite, hein. D'accord? J'adore quand on me booste. Merci, madame.
Merci madame, monsieur. Monsieur, madame. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un Reinhardt chez nous là, c'est ça? Et one. Ouh là là, là 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 là. Oh, oh nice. Merci. Ah, elle est morte. What the fuck? La Widow a tué la diva en ult. La sauce. Mais merde. Nerfs, Dieu. J'ai le même problème que Cloud. Quand je joue avec un skin qui change trop du skin classique, je deviens vraiment nul. Ouais, c'est une habitude, hein, après. Où est la Widow? Where is the Widow? The Widowmaker. Ah putain, j'adore quand les mercy me boostent, je trouve ça excellent. Non ! C'est pas vrai ! Encore un raise, mais je vis dans un rêve là. C'est incroyable. Bon. Il est one. Il était one. J'en reviens pas qu'il soit pas mort. Peut-être que un défi du viewer. Défi du viewer, pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est un par mois. Ce sera dans le mois qui arrive du coup. Ta grosse tête là! Elle était one! Sa grosse tête à la Widow. Une dernière volonté. Oh oh oh, Reinhardt se retourne pas! Moira, Moira des. Oh, c'est que c'est un Genji maintenant. Attention à toi, Genji. Attention à toi, Genji. J'aime bien jouer Cassidy, ça fait longtemps. Eh, j'aime trop ce jeu. En fait, j'aime trop ce jeu, mais il me fait souffrir. Quand je joue trop de fois d'affilée à ce jeu, ça fait souffrir. Du coup, c'est bien de jouer à d'autres trucs de temps en temps. Mais non, 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 petit madame! Pourquoi je l'ai pas touché? J'arrive pas à le toucher! Je les touche pas. Merci pour le boosting. Tu l'as bien cherché. Je suis en mode cowboy là. Là, je suis freestyle. Hop là, sleeping. Il va shatter, il va shatter. Ah, c'était sûr. Il va shatter, c'était sûr. Les pipés, ce serait plus marrant avec les micros. Bah là, il y a les micros de dispo. Hein. Les gens, ils peuvent parler. Hein. Après, perso, des fois, j'aime bien parler comme ça pour parler. C'est chill, hein, de toute façon. On ne peut pas forcer les gens à parler, tu vois ce que je veux dire? Salut, Belmac!
Ce jeu, faut être en relation libre avec exactement. Tu peux pas être que focalisé sur ce jeu. Parce que sinon, après, c'est toxique. On n'aime pas les trucs toxiques, nous. Nice! Vite! Boum! Non! Merde! J'ai tout raté là! Oulala! Oulala! Dis donc! Qu'est-ce qui se passe là? Ça bug? C'est bugué! Comme Anaïl a dit sur une vidéo, quand personne ne parle, bah personne ne parle, exactement. Ah oui, faut pas forcer les gens. Alors peut-être mon équipe supérieure à l'équipe adverse. Oh nice. J'pam. One punch. J'arrive pas à le faire. Mais One Punch Man, on est dans le thème. D'ailleurs... Attendez, parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose. Est-ce que vous avez vu la gueule du nouveau skin, là? De Soldier? Sur le thème de One Punch Man. Est-ce que vous l'avez vu? Non, parce que... Je suis d'accord. Ok, la rêve, c'est One Punch Man et tout. Moi, j'ai pas tout vu, donc je sais pas forcément pourquoi. Mais il faudrait quand même qu'on m'explique dans quel monde est-ce que Soldier... a une putain de pastèque sur la tête. Regardez-moi ça. Pourquoi il a une pastèque sur la tête, le frérot? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il a une pastèque? Je ne connais rien au monde de One Punch Man, j'ai vu 3 épisodes dans ma vie, d'accord? Mais je me pose simplement la question, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ont essayé d'imiter le chien qui a une pastèque sur la totée? Je ne sais pas. Ah, je me doute que c'est un personnage très illustre de ce manga. Ok? Mais voilà, je me posais juste la question. Maintenant, on peut retourner en Game Viewer, il n'y a pas de souci, mais je me posais juste la question. C'est un délire. Voilà, il a une pastèque sur la tête. Oh là, un petit bug. Oula, mais pourquoi il y a du lag comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la page Google qui fait bugger? Oh, je me fais raise. Oh, ça j'aime. J'aime un peu moins les paires de FPS, ceci dit. Elle est encore là, celle-là? Mais c'est pas possible. Il est malade! Il est malade! Ouais. J'ai des vieux lags, hein. C'est bizarre. Mais ils sont derrière nous. Pourquoi j'ai des vieux lags comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que j'aie un moment de pause. Je suis tout heureuse! Ok, je vais enlever gestionnaire de tâches, je vais enlever Discord, je pense. Tous les trucs qui pourraient être chiants à côté. Battle.net? Spotify? Voilà. Allez, on va essayer d'enlever ça. Moi j'ai demandé le diapo. Ah, le PC qui décède, hein? Trop bizarre. Il est illustre en étant nul, Roulette Rider. Ah, je ne le connais pas, donc... Ça va, ça bug plus là? J'ai l'impression d'être sur Hogwarts Legacy tellement ça bug. Mais purée! Ça lag! Au moment où est-ce que j'essaye de track le petit Torbjorn? C'est frustrant. C'est frustrant.
frustrant parce qu'à la seconde où j'essaye de faire un petit peu de damage, j'arrive pas à... Le PC ne suit pas. Mm-hmm. Voilà, Orisa va ult, hein, c'est pas un mystère. La prochaine fois qu'elle a son javelot qui tournoie, je pense qu'elle va venir vers nous. Nice. Nenef, si tu arraches quitte parce que tu joues Orisa et que je viens de te tuer, attention à toi, Nenef. Attention à toi, Nenef. On m'a fait quitter, j'arrive. Ouais, ouais, ouais. Attention, attention. Vas-y, je te crois, mais attention à toi. Du coup, il y a quelqu'un qui te remplace. Monsieur Vortex, qui reprend le flambeau de la Orisa. Il va pouvoir faire le même taf que toi. Du coup, elle a pas son ult. Haha. Non, arrêtez, s'il vous plaît, je suis sympa. C'est moi, je vais bientôt avoir une pastèque sur la tête. Vous savez, le skin, là. Le skin de One Punch Man, c'est moi. Vous me faites du mal. Merci. Je me sens trahi. Trahi par la famille. On a un Torbjorn aussi, ça c'est intéressant, ça. Interessante. Nice, ça, vas-y, DPS, merci. Let's go. Qui va là? Qui va là? Où est-il? Où est-il? Les roquettes EX au sol, ça marche à tous les coups. Hein. One. Nice. Payload, ouais. Ça bug au pire moment à chaque fois. Oh non, je suis mort comme une merde. Mon corps il a fait Il s'est jeté par-dessus bord. Je me suis fait défoncer. Hein. Comme never. C'est le nano boost qui fait tout. Oh là là, je me suis fait défoncer. Et sachez-le. Sachez-le, quand vous ultez avec Soldier. Alors, j'ai toujours pas trop capté, mais. Quand vous ultez avec Soldier, il faut quand même viser. En fait. Il faut quand même viser parce que si tu fais que appuyer, ça ne. C'est moins efficace en fait. Oh! Putain, mais ça bug! Pourquoi ça bug mon jeu là comme ça? Pourquoi mon jeu est bugué? Nice! Tu sais, la dernière fois que j'ai stream, c'était bien bien bugué Overwatch. Je croyais avoir réglé le problème. En fait, que nenni. Des petits lags. C'est léger, mais il y a quand même des petits lags. Mais bon sang de bonsoir. Je suis Hard Pocket, j'adore ça. J'adore le Hard Pocket. Des petits rollbacks. Je dirais pas que c'est des rollbacks, je dirais que c'est vraiment des freezes. Des petits freezes. Viser, orienter grossièrement la caméra, tu veux dire? Non, vraiment viser. De mettre en 120. On démarre ton jeu peut-être. Parce que j'avais essayé de restreamer, j'ai une chaîne qui s'appelle Ramolos Gaming. Ramolos Gaming.
underscore. Et ça me sert à stream en scred quand je veux faire des tests de co. J'avais fait un stream et il buguait pas du tout. Du coup, j'étais trop contente. Je crois que je vais vous virer ce que je viens de changer là. Ah non, toi tu viens d'arriver. Hop. Il faut que je retire de la game ceux qui viennent de jouer. Sinon après on s'en sortira. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Retirer de la partie. Eux ils ont pas joué. Je crois que c'est déjà joué, retirer de la partie. Bon après vous avez juste à revenir en soi, hein, mais... C'est juste pour laisser l'espace. S'il y en a qui veulent venir en tout cas, vous pouvez. Tirer de la partie, chaton déjà joué aussi. Monsieur Vortex, bon t'as joué qu'une seule game, toi, un seul side. Je vais te laisser dans la game. On peut aller sur un petit monastère Chambali, qu'est-ce que ça vous dit là? Est-ce que ça vous dit, pourquoi pas? Ou alors, un petit Rialto. J'hésite. Allez, monastère Chambali. Allez, c'est parti. Et attendez, parce que j'ai pas équilibré. Voilà. Pour équilibrer là. Rétablis-toi bien, Scary. C'est pas cool d'être malade. Hein. Je comprends pas pourquoi l'interface des specs elle tient sur deux lignes, alors qu'il y a 6 lignes à l'afficher. Ouais, je te jure. C'est fou, hein. Il faudrait à peine... Tu vois, tu remontes un peu, tu écrases un peu tout ça, et tu peux voir plus de specs, ou je sais pas, tu le mets sur le côté, il y a plein de trucs à faire, en fait. Ça, le truc que vous voyez pas ici, là, on le met là, au-dessus, comme ça, schlac. Tellement de trucs illogiques. Ouais, c'est terrible. Alors, on va pouvoir équilibrer, donc Scary. Faut que je vérifie, parce que je ne sais pas. Ok, donc tac, tac, c'est équivalent, ça aussi, on va juste mettre Sojiro à la place de Brave, je ne sais pas quel elo est Brave, mais j'imagine que c'est pareil, on est sur un Platinum, ok, bah c'est équilibré du coup, nickel, bien joué à tous, let's go. Eh ouais, Blizzard, c'est terrible. Blizzard, c'est la méta des skins. Qu'est-ce qu'on joue là sur cette map? Qu'est-ce qui est cheaté comme DPS? En vrai, je sais pas si je vais spécialement jouer DPS là. Je pense qu'il y a des gens qui ont bien envie de jouer DPS. Je vais jouer Ana. Good luck, have fun, ouais. Les skins trop chers là, on aime. Délicieux. Mais je pense que ça doit marcher, hein. Vous avez vu le nombre de skins qui sortent et tout à chaque saison? Vous avez vu comme la com, hein, littéralement, le trailer de la saison 3, c'est littéralement event skin, One Punch Man collaboration skin, event Saint-Valentin Cupidon nouveau mode de jeu. Mais tout est tourné autour des skins, tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu celle-là. Merci beaucoup Entrenarche pour le 16e mois d'abonnement, let's go. Comment tu vas? Mais ouais, du coup, ils tournent tout autour des skins et Bah, moi, en vrai, ce qui m'intéresse, c'est le contenu du jeu, hein. C'est pas les skins, hein. En vrai. Moi, je les ai, mes skins. Je suis contente de les avoir. Mais... Je vais pas payer pour un skin. Ah, mais j'ai des petits freeze, hein. Ça, c'est vraiment gênant. C'est gênant, comme on dit par chez moi. C'est malaisant. Écoutez, on va bugger, hein, c'est pas grave. Des mecs qui arrivent à droite, là. J'arrive pas à la viser. C'est...
Je vais essayer de pas me montrer. Ouais, du coup. On perd notre tank là-dessus, il aurait dû back, je pense. Un petit dimanche matin. Ouais, hein. C'est agréable, je trouve. Ça m'avait manqué de jouer Overwatch, là. D1. Oh, il est one. Come on, come on. Je voulais pas Nino Nato. J'ai Nano un bastion, merde. Bon, c'est pas mal après. Je pense que c'est pas mal. On sort le main des tuniques, c'est marrant ça. Oh là là. Putain, elle survit sur rien du tout, ma... Junker Queen, elle survit, elle a trop de la chance. C'est bien parce que je l'ai heal, quoi. Ça suffit, oui, cette haine contre les Ana. Bobito sur le point. Allez, on va pas laisser Ashe solo carry la... le side. Attention. Elle a réussi à tuer le... entre notre tank, hein, quand même. Bonjour. Caillouté. Caillouted. Allez, ciao. J'étais sûre qu'il allait faire ça. J'étais sûre qu'il allait faire ça. Genre, il m'a vu, il a fait... Anna. Je vais nano mon tacos. Allez, belle gosse, fonce. Vas-y, vas-y. Non? Dommage. Y'a un Lucio qui va venir vers moi ou quoi? Amenez-moi ces abrutis en enfer! Amenez-moi ces abrutis en enfer! Abru ou abruti? Nice, ça. Bien joué. Ita. Le slip. Bien fait, là. Qu'est-ce que tu croyais faire? Tu croyais me dash dessus et... Tu croyais me dash dessus et que j'allais pas te slip? Non, 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 moi je dodo les Genji. Hein. Faire attention, hein. Faut faire attention. Il faut pas être... Je te donne pas tous les Genji non plus, c'est pas une vérité générale. Tu m'as foncé dessus uniquement pour me tuer, quoi. Je t'ai eu, bah bien joué. Well done. Putain, c'est dommage. Ah, il m'a mis le shit devant moi, quoi. Ah, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'ai failli pu nano ma Junker Queen. Ah, quel dommage. Ils te solo ult tous, ouais. Je suis l'ennemi à abattre. Ah, je comprends après, hein. C'est vrai que je suis un petit peu redoutable. Regarde-moi ça. Anna. Un sort, un perso qui a des capacités vraiment exceptionnelles. Vraiment très très cheaté. Rien que le slip en vrai, c'est super cheaté. Le petit slip petit bateau là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est vraiment cheaté. Alors, j'ai mon ult. Mais ils sont focus sur moi, ces petits loustiques, là.
Je suis quoi, l'ennemi public? Bon sang de bonsoir. Je suis l'ennemi public. Avec un charisme. Ouais, après c'est vrai que mon skin est très très beau gosse. Et qu'en plus de ça, mon arme est en or, donc je comprends, ils veulent peut-être me la voler. Je comprends. Faut focus les heals. Ouais ouais, aigle chauve, attention à toi. Je sais très bien, je suis l'ennemi public. Et Kiriko, vous la regardez jamais, hein? Par contre, moi, hein? Ça y va, hein? Non, en vrai, je rigole, hein. Je comprends la subtilité de focus les heals, bien sûr, hein. On a un... On a tout use, c'est bon? Ah, c'est pas de chance. Bien joué! Salut Six, Six, Six. Merci beaucoup pour l'abonnement de niveau 1. Bienvenue à toi. C'était sympa de jouer contre toi. Chaque fois on se fonçait dessus là. Oh! La Naïde a pas touché, what? What the fuck? Ah, Sojiro qui essaye de jouer Moira. Attention à toi, Sojiro, qu'est-ce que tu fais là? Hop là! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao! Allez, bonne soirée! J'adore le slip, je trouve ça cheaté à ce fuck. Pouvoir interrompre n'importe quel ult, enfin, beaucoup d'ult en tout cas, avec une seule capacité. C'est quand même fou! Je vais me mettre là, je pense. On va pouvoir viser les adversaires. Mais en vrai, j'avais une Mercy qui me pocketait tout le temps quand on était sur Hollywood, donc c'était un plaisir, mais ça devait pas être agréable, quoi, d'être en face. Je vais recharger. Oh là là. Merde, ma Junker Queen est morte, ça c'est dommage. J'aurais pas dû regarder autant mon Genji, je pense. Il était sorti d'affaire. Ça suffit, oui. Nice. Le Lucio ici, là. Viens-le. Qu'est-ce qu'il fait? Merde. Scary s'est fait tuer par la Moira. Il devrait pas tarder à toucher le point. Plus que 6 secondes. Mm-hmm. Nice. Amenez-moi ces abrutis en enfer. Let's go. Bien joué! En vrai, ils ont bien push. Hein. Ils ont bien push. Arrivé jusqu'ici, je trouve que c'est solide sur Monastère Chambali. Après, défendre les premiers points, c'est pas non plus le truc le plus simple. Salut Ayam Zomega. Merci pour le 3e mois d'abonnement avec tout Prime. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Ah ouais, c'est quelque chose la VF de Joker Queen. Moi, j'aime bien la VF de manière générale. Les séries, tout ça. Parce qu'en fait, je trouve ça un peu bizarre de dire les VO. Sur des jeux vidéo ou des adaptations animées. Parce que la VO n'existe pas. Tu vois, c'est des trucs qui... C'est des persos qui sont articulés, mais en soi... C'est n'importe quel doublage et la VO. Du coup, j'aime bien la VF. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, sur les jeux vidéo, je trouve ça cool. C'est juste une question d'habitude en vrai. Salut, I am the Omega. Alors oui et non, puisque Pixar, ils font les animations sur la web parfois. Oui, effectivement. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je parle plus des jeux, tu vois. Là, les jeux, quand les persos, ils parlent... on voit pas la bouche qui bouge, quoi. Ah, la VF, elle est cool, hein. Elle est cool, hein. Elle est cool. Mais ouais, je suis d'accord, c'est vrai, sur les films d'animation, t'as raison. Ils essayent d'arranger au mieux pour que la VF, ça rende bien. Mais généralement,
Généralement, ça se voit pas, mais t'as des petites phrases des fois où t'es en mode. Il a pas du tout bougé sa bouche comme le perso là. Comme ce qu'il dit, en fait. Ah, j'ai du lag au moment où est-ce que je vise le Genji. Je me fais nerf. J'adore ce perso. Oh, mais il est trop smooth, putain. Le dodo, je l'ai envoyé sur le mur, là. Là, je peux vous dire que les briques, elles font un gros, gros bon dodo. Calmons-nous. Alors, j'ai mon anneau. Ah ouais. Déconne pas, hein. Il déconne pas. J'ai mon anneau, on a bateau celui de Mei aussi. Nice. Ah, il s'est fait tuer, merde. Il s'est fait tuer! Alors que j'ai essayé de le sauver. Oui, ça c'est bien, super. Nice! Il est où le Hanzo là? Ouais, attention à toi. Moi je suis Master 2, mais dans les faits je suis pas Master 2. Hein. En heal là, pendant cette saison, je suis pas encore. J'ai pas encore up, j'ai été descendu en diamant 5 et je suis remonté en diamant 3. Mais je vais remonter bientôt en GM, vous verrez. Le GM n'attend que moi là, au niveau du support. Vous inquiétez même pas. Non, il s'est fait des pop. Et merde. Bon écoutez, c'est pas grave, il nous reste 1 minute 30. Parce que Kiriko s'est épée sur moi. Nice. Remonter GM. J'ai jamais été GM de ma vie, moi. Quand je vais être GM, en vrai, je veux vraiment être contente, je pense. Ce sera un petit achievement, tu vois. Tu vois pourquoi le jeu, la vie, ne veut pas me donner ce elo. Genre juste le GM5, tu vois, genre c'est pas grand chose, hein. Juste toucher du doigt comme ça le GM. Oh! J'ai pas le droit. Remonter, ouais, remonter en Master 2, puis ensuite en GM. Attention à toi, Scary, attention. Le caillou énervé, là. J'arrive pile quand tu dis ça. Bonsoir, Cloud. Bonsoir, Heisenberg. Pardon, je confonds les deux... les deux pseudos, quoi. C'est excellent. T'as le niveau, t'inquiète. Mais ça... Mais... On verra. Je sais pas. Qui c'est qui peut décider de ça? Qui c'est qui peut décider de si t'as le niveau ou pas? Tu vois? C'est ça le truc. C'est que d'après le jeu, bah je l'ai pas. Et pourtant, je pense quand même pouvoir. Et en même temps, le jeu me le donne pas, donc c'est vrai que il a peut-être raison. Les deux personnalités. POV, c'est exactement la même personne. On risque de se prendre une dynamite là, j'ai pas envie. Oh non! Une dynamite! Une! Je peux plus des dynamites. Je suis en harmonie avec le dragon. Oui, nice. Super. Et encore le Zenyatta. Let's go. La seule personne qui décide, c'est le jeu.
Ah, mais le jeu, après le jeu, quoi. Le gaming, hein. Est-ce qu'on a envie de faire confiance au jeu? On a envie de faire confiance au jeu, nous? Bah ouais. Non, mais en plus, vous savez, je suis vraiment persuadée d'un truc, c'est que quand tu es à un niveau et que tu joues contre des gens qui sont un peu plus forts que toi, tu ne peux que t'améliorer. Genre en fait, au plus tu joues avec des gens énervés, au plus tu deviens toi-même énervé puisque tu t'habitues à être dans un environnement énervé. Et ça marche aussi dans le cas contraire. Au plus t'es avec des gens nuls, au plus tu deviens un petit peu plus éclaté. Un mec GM qui joue en bronze gardera pas son niveau de GM à vie, tu vois. Et forcément à un moment donné, il va décliner. Je suis persuadée qu'en vrai, notre niveau, il est défini en fonction de notre... des gens avec qui on joue, quoi. Si t'as toujours été habitué à être dans des games GM, bah t'as des réflexes, t'as des habitudes de GM. Et vice-versa. C'est beau ce que tu dis. De quoi ? J'ai besoin de renfort. Tu vas me dire que le dodo il est passé entre sa mèche droite et gauche, c'est ça? Pourquoi c'est pas vrai ce que je dis? Oh là là, les 5 kills de Scary! Oh là 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 là, Scary là-dessus. Incroyable. Bien joué. Un GM l'aurait slip, mais bon, dommage. Putain, fais chier. Je suis passé à deux millisecondes. À 2 millisecondes du GM. Ah non, il mérite le GM après cette game. Merci. Purée. Dites-leur. Dites aux jeux vidéo là, je mérite ce GM. Non, en vrai, pour l'instant j'ai pas joué en ranked donc je le mérite app, mais ça viendra. Ok? Expliquez-moi ceux qui sont pas d'accord avec ma théorie. Évidemment, c'est pas 100% véridique, hein. Mais je suis sûre que ça, tu tends quand même, quoi qu'il arrive, vers le niveau des gens avec qui tu joues. C'est pas... avéré pour tout le monde à 100% sans aucune variable, hein. Je dis juste, il y a quand même de manière générale une infime un truc qui fait que malgré toi tu tends vers le niveau des gens avec qui tu joues souvent. Si vraiment souvent tu tombes dans des games plates, tu tendras vers le plate à force. J'en suis un peu sûre. Après, j'attends vos avis aussi. Si vous n'avez pas le même avis, n'hésitez pas. Salut Popcorn. On va sur quelle map? Moi, vous savez, il y a une map qui s'appelle le style 2CP. Et je ne sais pas si vous connaissez. Si vous avez envie d'aller un petit peu en 2CP là, ça vous dit ou quoi? Ah, est-ce qu'ils ont remis le mode ranked? Je me pose cette question. Je crois pas. Quand t'as pas de talent, il ne faut pas insister. Ça, je suis pas d'accord. Je suis trop pas d'accord. Le talent, ça veut rien dire. Le problème d'Overwatch, c'est que tu peux pas que win. Ils vont forcément te mettre un jour avec des gens où tu sais clairement que c'est lose. Bah ça non plus, je suis pas d'accord. Allez, on peut me switch du coup. Mais du coup, comme ce Jiro Mike vient de jouer, je ne comprends pas pourquoi il est là. Est-ce que je viens de le switch sans m'en rendre compte? Bon, allez, de toute façon, je vais bouger tout le monde parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. L'interface est vraiment... Voilà. Merde. On va aller sur Zin Volskaya. Ok, c'est pas du tout équilibré. En même
Ah, Dailink, Dailink, Dailink. Est-ce que j'ai envie d'avoir sa Widow avec ou en face de moi? Ça dépend de lui. Je vais jouer beau là. Je te déteste d'avance. Je te le dis tout de suite. Hein. Du coup, je sais pas quel elo il est, le petit bonhomme là, mais bon, c'est pas grave. Allez, on part comme ça. Et il a sorti Ball, on était sur péninsule antarctique, Heisenberg, j'ai sorti ma meilleure sombra. Et j'en pouvais plus, hein, de Ball. Oh, la dinguerie, quoi. je vais sortir Anna. Je vais te slip en boucle. J'en pouvais plus. En plus, il a mais pris... Mais c'est qui va jouer Ball? Moi, j'ai envie de jouer Ball. Ah bah, vas-y, fais-toi plaisir. Faites un 1v1 de Ball, comme ça, on est débarrassé. 1v1 Ball. Non, mais moi, je le dis, dès qu'ils sortent du spawn, là, je les boupe tous. Alors, tu viens de spoil un petit peu. Du coup, si les gens qui jouent en face, vous pouviez passer à droite pour faire un petit clip sur la chaîne, ce serait vraiment tip-top. Ah non, du coup, c'est à gauche. C'est à droite pour nous et c'est à gauche pour eux, oui. Oui. Et oui. Voilà, le petit 5 scale à POTG. Voilà, donc passez à notre droite et à votre gauche, s'il vous plaît. SVP. On devrait faire un... Vous savez quoi, là? Cette take, là, que j'ai. Sur la ranked et sur le fait que ça monte et que ça descend en fonction de ton elo, on va faire une discussion, on va organiser une petite émission là. Émission. On s'appelle sur Discord, je choisis des gens un petit peu renseignés, des gens à une personne à bas elo, une personne à haut elo, Cloud et moi pour faire les juges. Et on discute du truc. C'est bon? Allez. On fait ça. On fait un petit podcast. Je vais faire une vidéo sur ça. Mission s'appelle Hello Guys. C'est pas mal. Vas-y, on l'appelle comme ça. Tu joues avec. Tu devrais démonter. Je te déteste. C'est pas du tout la démonter. Parce que c'est gros. Va sur la ball, va sur la ball. Pitié, aidez-moi. Il y a la ball sur moi derrière. Je vais pleurer. Oui, merci. Elle est low, elle est low. Il y a son bras au-dessus. Ah frérot, la sombra c'est... il faut qu'on prenne la streamage, j'en suis sûr. Non mais il faut qu'on prenne une sombra aussi. Il faut qu'on prenne une sombra aussi. Est-ce que quelqu'un sait jouer sombra dans cette équipe? Ok, bah est-ce que Reaper tu sais jouer sombra ou pas? Ok, let's go. Nice. Allez. Gros comme une maison quand j'ai dit que j'allais les bouffer, elle a pris sombra là. T'es qui toi? T'es qui Lucho là? Il me saute dessus, j'ai envie de... Oh, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on les karma, vous voyez? Même moi, je viens de me réveiller. Hein. Et qui se lève de bon matin appartient le bonheur. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a toujours la boule derrière. Elle dort. Il faut la teabag, si vous voulez. La prochaine fois que je la dodo, on la teabag tous. Dans 5 secondes. J'ai envie de hurler. Ah! Merde. Le axe est toujours aussi. On devient fou. Pitié. On se fait rouler par une sombra ball. Waouh. Ah, le plaisir, il est présent hein, pour le coup. Et voilà, je t'ai dodo. Je t'ai dodo en boucle. J'ai fait 3 dodos. J'ai dodo 3 fois cette ball. Bien fait pour toi. Il y a vraiment moyen de voir plus de sombra cette saison, vu comment le hack est fort contre le slam. Ah, son slam, ah, oui. Ah, Amande, ouais. Mais quoi, du coup, tu vas passer ton temps à jouer sombra et à hack la ball? Je pense que c'est la seule solution. Parce qu'à part ça, il y a rien d'autre hein, à faire. Ou alors tu joues Zarya. En fait, le hack, c'est le seul truc qui va vraiment bien contrer ball. Parce que tu... C'est bon, non mais j'ai compris, je vais jouer DPS. Hein. Tu peux assumer le truc derrière, et heal en le plus. Ne sera plus présent. Mais pour prévenir et annuler le truc avant qu'il arrive, il n'y a pas beaucoup de capacités qui sont capables de faire ça. À part le rocher de Sigma, le javelot d'Orisa, et le hack de son bras. Ouais. Salut Cartman Fire, merci pour le deuxième mois d'abonnement avec le Prime. Comment tu vas?
Tatou. Bien envie de jouer Battisto Pesto. Non, je rigole. Quoique, pas du tout. Moi, je pense que Anna pour Dodo la balle en boucle, c'est pas mal. Ok. Lui, il veut vraiment te faire chier. Il n'y a pas d'autre but dans la vie. Je te jure. Ça va te focus. Les chiens, ça joue pas. On a dit pas son bras, il prend une symétra, mais. Waouh. J'arrive pas, Dodo. Il est low. Oh non, je t'ai heal au moment où est-ce que t'es mort, c'est trop triste. Ah! Allo? De toute façon, dans la vie, faut des coups moyens. Bon, je re-roll. Je sais pas quoi jouer là. Baptiste? Baptiste, c'est pas mal, non? Let's go! Merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement avec le Prime. Mais pourquoi j'ai des frises comme ça? Y'a quelqu'un qui me DDoS ou quoi là? Est-ce que vous êtes en train de me DDoS? Oui, je sais pas en vrai. Et what? Mais qui c'est qui me fait bugger? Ah, Lucho, voilà, dans tes dents, comme on dit, hein. Ouais, mais le PC, il est pas en train de crever, quand même. Non! Arrête de crever! S'il te plaît, PC, et arrête. Bah alors, on loupe son Ayoun? S'il te plaît, le PC. On se fait la gueule. Effectivement. T'as des drops de FPS, non? Oui, carrément. Carrément XD. Refresh. Attention, lui, sur un mot. Je sais pas, il essayait quoi là, la balle? Ah, c'est bien moche. Nous sommes en infériorité numérique. Est-ce que ça va régler mon problème? Je sais même pas. Voilà, ça c'est pour toi, ça. Ah, c'est moche, hein. Ah, jouer en 60 FPS, c'est quand même quelque chose. T'es lent, en fait. Il y a une balle au top, hein. Je crois que ah bah ça te... C'est bien, bien laid. Coucou! Tu veux quand même pas mourir? Ce serait dommage. La cime, non! J'ai l'impression de ne plus savoir viser correctement. Tout le monde est décédé? Oui. Dommage. C'est vu comme un problème en arrière-plan à tous les coups, rien à voir avec Overwatch. Je ne sais pas parce que j'ai les mêmes bugs sur Hogwarts Legacy et il n'y a rien qui tourne en arrière-plan, je vous assure. Oh, big. Bon, on s'est fait péter là, je crois. Ouais, complètement, ouais. Ah, mais ça, c'est. Je sais pas c'est qui a choisi de prendre Volskaya en même temps, mais. C'est l'idée de zinzin. Écoute. C'est une belle map. Même si le mode de jeu est un petit peu discutable. Voilà. Bon, je vais redémarrer mon PC, moi. Mon jeu. C'est là où je les stocke en plus. Je redémarre mon jeu. Bah bien sûr, il n'y a pas la mort qui affiche. Alt F4, ça marche pas. Imaginez Alt F4 ne marche pas.
Hop. Nanana, nanana, nanana. Hogwarts Legacy, c'est le jeu par contre. Bah je ne sais pas, en fait. Parce que j'avais déjà eu des bugs avant que Hogwarts Legacy fasse des siennes sur Overwatch. Sauf que quand je jouais off-stream, non, quand je jouais en stream sur un autre compte, Twitch, je n'avais pas de bugs sur Overwatch. De toute façon, là, en début de stream, j'avais pas de bugs, donc je verrais pas pourquoi il y en aurait. Trop bizarre. Il y a un nouveau mode de jeu annoncé pour la prochaine fois, je crois, ouais. Nouveau mode de jeu, vous savez, c'est des trucs d'arcade, quoi. C'est pas des nouveaux types de cartes. C'est pas des nouveaux types de cartes, pas du tout. Là, c'est nouveau mode de jeu classico pesto, en arcade, qui sont là. Peut-être une image Nvidia à faire. Ouais, sans doute, hein. Le souci de ce genre de truc, c'est que je n'en ai aucune idée. De toute façon, quand ça bug, il y a tellement de trucs qui pourraient faire que ça bug que tu peux jamais trop savoir. Merci. Yo, yo les beaux gosses. Comment ça va? Alors, je vais remettre en 144 FPS, parce que nous, on aime bien voir clair, et que le 60 Hz, c'est pas trop notre dada. Hein? Voilà. Oh, c'est quand même très joli. C'est très joli d'un seul coup. Bon, du coup, vous êtes mignons, mais... Hop. Oh, est-ce que j'enlève les gens? Ouais, allez. C'était la game, hein. C'était la game. El Padre. Hop. Scary. Hop. C'est caché. Tac, 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 tac. On va sur quelle map, maintenant? Sur Rialto? J'entends un Rialto, là. J'ai entendu le mot Rialto au loin. Allez, c'est parti. Tanamura, non, non, non. On va pas forcer. On va pas mettre deux fois d'affilée de la toussipi parce qu'après, c'est la sauce. Les gars, Hogwarts Legacy, c'est dispo qu'en avril sur PS4. J'ai une frustration incommensurable. Tu m'étonnes. Courage. Allez, on y va. Je vais jouer Anna parce que j'adore ce perso. C'est mon amoureuse de toute ma vie. Son skin est trop beau. Et vous pensez pas qu'il faudrait qu'un jour je fasse un cosplay de ce skin? Parce qu'il est facile à faire, j'ai juste à faire une coupe au carré. Du maquillage ici là, schlac, schlac. Une écharpe rouge. Un outfit un petit peu, non? Je reste sur Genji. Ah c'est vrai que Genji, ça me va bien. C'est vrai que Genji c'est pas mal. C'est vrai. Ça va, c'est vrai. Le bug sur Rialto existe toujours, je crois pas. Je crois qu'ils l'ont fixe. Hé, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Tu te souviens de ces deux caïds, les frères Vygotsky? 300 mètres. C'est quoi? Un tir. What the fuck? Magnifique. Ah, ce n'est pas le mot que je choisirais. Yo! Anaïjam. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je comprends pas ce que c'est. Ça a refait les murs. C'est peut-être pour rénover, ouais, t'as peut-être raison. Salut Chris! Merci pour le 35e mois d'abonnement, belle gosse! Comment tu vas? Ah bah c'est fort! Je jouais fort dans mes oreilles. Tranquille, tranquille. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le bug, c'était de pouvoir aller sur l'autre side de cette map avec Kiriko. Mais je crois qu'en fait, c'est connu depuis assez longtemps. J'ai fait une vidéo sur mon TikTok, si vous voulez voir. Et même sur YouTube. Alors, c'est une vidéo short, hein. Un format court, quoi. Ah, j'arrive pas à les dodo, quoi. Oh, bah. Nice. Ok. Attends. On arrive.
Bien joué. Let's go. Voilà, GG. Ça, c'est beau, ça. Super. Robot nettoyeur. Ouais, mais j'avais jamais vu sa gueule. Depuis quand est-ce qu'il y a un robot nettoyeur sur cette map? Je suis trop choquée. Je l'avais jamais vu et je comprends pas pourquoi il est là. Oh fuck, j'ai grid. Mais belle. On l'a jamais vu ailleurs, ce robot, en fait. Je vais pouvoir retouch, je pense. Ok. Suivez mon regard. Le convoi a atteint le point de contrôle. Merci, Wen. Nous sommes en infériorité numérique. Bah, un robot qui nettoie les murs pour le PVE, je vois pas trop l'intérêt que ça a, tu vois. Ça faudrait que le Hanzo vienne. Viens! Viens! Viens ici! On va aller sur un bateau, attends. Regarde-moi ça! Il est pas beau, ce robot nettoyeur. Mais c'est trop bizarre, hein, je suis désolée. On dirait qu'il y en a deux qui sont en mêlée. Ah oui, bonjour! Enchanté. Regarde-moi ça! Trop bizarre! Bonjour. Je comprends pas ce que ça fait là. Oh! Il a tiré sur le mec qui nous fait avancer? Bonjour. Bonjour. Salut. Est-ce qu'il y en a un de l'autre côté? Oh! Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais je te comprends pas. Et rénove Rialto, quoi, c'est ça l'idée? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Arrêtez le convoi. Mes respects. Calme-toi un petit peu là. Voilà, fais une sieste. Voilà, tranquille. Magnifique, hein. Magnifique les robots nettoyeurs, en tout cas. Je vous remercie. J'espère qu'ils vont repeindre Rialto. Non? Le Reaper a son ult. Allez, je... Il est temps pour moi de m'arracher, là. Il est temps pour moi de m'éclipser. Il y a une Junker Queen. Oh, tout le monde est mort. Marston, tu n'as pas de pitié. On était en train de faire une petite virée en bateau. Voilà. Easy. Bonjour TikTok. C'est clair. TikTok. TikTok flop. Enchanté. Marv n'a aucune pitié. Là, ils vont arriver avec un Winston, un Genji, une Tracer, tout pour dive la Widow. Ça va être magnifique. Ça va être sublime. Le live finit à midi. Descends. Hein? Moi je suis DPS, hein. Je sais pas si je vous ai déjà dit, je suis DPS. On m'appelle Anna DPS dans le milieu. PVE, invasion des bots qui demandent un salaire. Mais c'est du génie. Ils demandent un salaire parce qu'ils sont en train de rénover Rialto. Je suppose que vu que c'est censé être Venise, ils ont besoin de robots pour maintenir l'état des bâtiments. Pour éviter qu'il se détériore. Là, veux-tu mon anneau en ult ou pas? Oui, vas-y, vas-y. Bah, c'est une théorie qui est plausible, hein. Oh, tu veux mettre un Genji à l'intérieur, toi? Vas-y, j'arrive. Oh non! Ils ont tous disparu! Ils ont tous disparu! Ouais. Non! Jaurès. Je crois qu'on les a fait peur avec le nano. Ouais, c'est ça. Salut Yakuza 5, merci beaucoup pour le 3ème mois d'abonnement. Let's go. Let's go, let's go. Oh là là, on est vraiment très très fun. Hein.
C'est la maison du fun ici. Nous on joue Pharah et Widow, c'est bon? Pharah, Widow. C'est Pharah Mineuse qui se passe. Pharah, Widow. Oh Marv. Tu n'as vraiment aucune pitié, Marv. C'est terrible. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts pour Anae Gaming sur Ball ou pas? Nous allons tester ensemble, messieurs dames, si Ball est efficace ou pas. Puisque il faut savoir que si moi j'arrive à jouer Ball, n'importe qui y arrive. Hein. Ça, c'est une information à 100% véridique. Donc on va voir. Ok? Allez. Salut à tous, moi c'est Paul, je suis un petit rat, je suis bêta en ce moment, bonjour. Imagine, c'est une méta ball. En vrai, dans mes ranked, jusqu'à présent, j'ai genre croisé des Reinhardt, des trucs comme ça quoi. C'était mignon ce que j'ai croisé. J'ai pas croisé de ball moi. Enfin, pas trop. Mais à Skip, c'est une méta ball. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Salut, moi c'est Ball. J'ai un super skin sous-marin. Il est trop beau mon skin. Let's go! Alors comment je fais pour jouer Ball? On est d'accord, on va à droite là. Right! Into the corner. Albata. Like a professional. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, oui. À votre avis, que va-t-il se passer une fois que la partie ne sera plus en pause? Réponse 1. Je vais mourir. Réponse 2. Je vais tuer le Junkrat. Réponse 3. Je vais mourir et je vais tuer le Junkrat. Réponse 4. Personne ne meurt. À vous de répondre. Que va-t-il se passer? Attention dans 3, 2, 1. C'est pas tout à fait le vrai compte à rebours. 3, 2, 1. Et c'est la bonne réponse! Je sais plus les numéros, mais... En tout cas, bien joué. Faut que je recharge. Allô? Eh. Bienvenue sur mon yacht. Ouais, alors tout à fait, mode plage. Hop. Je suis en train de siroter mon petit smoothie. Sur mon yacht. Installe-toi, Diva, installe-toi. Sois pas timide. Voilà. Bonsoir. Ah, le yacht, c'est vraiment très relaxant. Ah, on est bien là. Sur Rialto. POV les deux tanks. J'ai trop de simulation, Ricky. Je voulais le faire tomber dans le vide. Ok, c'est pas grave. Je recharge en roulant, je peux faire ça, genre? Attends. Mais pourquoi tu recharges en roulant?
Attends, mais c'est cheaté. Merde, j'avais presque mon slam. Lolololoy, lolololoy. Je fais n'importe quoi. Et je reste en vie, et ça c'est beau. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Tu recharges en forme de boule? Ça c'est fou ça. Oh là là. Calmons-nous, calmons-nous. Le truc là. Ah, notre Widow c'est vraiment cheaté hein. Réussi à slam. Quinze victimes. Ça, vous voyez, c'était du gameplay de ball professionnel. Professionnel. 15 kills, 15 victimes d'affilée. Regardez-moi ça, 5300 damage. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et vous avez vu, j'ai même réussi à heal. En fait, je suis tellement solide sur ball que j'ai réussi à heal 4000 PV. J'ai fait 4000 de heal. Avec ball, il faut le faire. Hein. C'est secret, mais voilà, on peut le faire. C'est possible. Tu peux heal avec boule. Ah, je suis complètement main à monde, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Heisenberg, t'es chaud de jouer ou pas aujourd'hui, là? Comment ça se passe de ton côté? Parce que moi, j'ai bien envie d'aller faire quelques petites ranked, là. Tu vois? Je dois partir à midi. Mais avant ça, j'ai bien envie d'aller jouer, là. Donc pourquoi pas faire une dernière game en Game Viewer? Et après on peut partir en ranked. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pas joué là? Lui il a pas joué. Et hop, on va mettre Necros ici. Hop. Ball killed à 700 damage MG. Go TikTok là-dessus. Je vais faire des TikTok intox. Les gens ils vont être en mode. Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Salut les petits potes, c'est Michou. Salut Fadi. Tu pars à midi? Ouais, je pars à midi. Je pars à midi, je m'en vais. T'as pas joué Ficoid? Est-ce que t'as joué Ficoid? Ton pseudo me dit quelque chose, donc oui, t'as joué. Bannez-moi s'il vous plaît, j'ai payé. Attends, vas-y, t'inquiète. Tac. Ça dégage. On va aller sur King's Row. Tout simplement, et on va y aller en soirée. C'est parti. Ok, ok, pas sûr que je sois là. Alors, avant midi? Ah, tu peux pas ranker d'avant midi? Attention à toi. Le pire Macri que tu as rencontré. En parlant de Macri, tiens, vas-y, j'ai bien envie de jouer le perso, là. Allez, c'est parti pour casser des IA. Pour moi, casser du fiac. C'est quoi la vidéo que t'as envoyée? Xukei. Soirée? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Moi, je dis tout le temps bonsoir. Puis une fois, on m'a dit
Oh bah non, là on n'est pas le soir, hein. Là on est plus... voilà, il est 14h, donc on est plus en journée, hein. Voilà. On m'a dit ça dans la vraie vie. Et j'étais en mode... Ah oui! Ah c'est vrai! Quelqu'un doit mettre le pied à l'étrier. Rassemblez vos forces. Nous allons bientôt en avoir besoin. Je dis toujours bonsoir. Bah oui, moi aussi. C'est une habitude, tu vois. Et le mec, il me reprend, il fait... Oh bah non, mais là, voilà, c'est pas le moment de dire bonsoir, ah ouais, il est 14h. Ah ouais, tu peux pas dire bonsoir. En plus, je crois que c'était un truc un peu professionnel, en mode... Un mec était dans mon stage et... Oh, trop mignon. Et comment tu peux ne pas aimer ce perso quand tu vois ça? C'est trop mignon, elle a l'air si légère. Puis après, elle arrive dans ta game, elle te balance un javelot dans la gueule. C'est moins... C'est, hein, c'est une ambiance différente. Mais moi, j'aime bien Orisa, voilà. Je le dis haut et fort, Orisa, bébou. Orisa, c'est bébou. Ah, il te Beyblade la gueule, ouais, c'est ça. Grand ange ? Un sub ? Bonsoir, merci beaucoup Stormy NT4 pour l'abonnement de niveau 1, bienvenue. Oh mais Ryan, ce que je lui mets? Je suis désolée Ryan, il y a toutes les balles il y a toutes les balles lucky qui arrivent sur toi. C'est vraiment pas voulu quoi. Hihihi. Ok. Oh là là, mais tout le monde claque ses primes là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'adore les primes. Je sais pas si je vous ai dit. C'est la sauce. Là, c'est la sauce. Le sale. La vache. Merci Ipra56 et merci Birey pour les primes. Bienvenue à vous. La mort peut bien attendre. Oh là là. Incroyable. Non mais c'est fou. Je lui ai mis une grosse tête au Genji. Tin, 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 tin. J'ai la musique de... Oh non, le fail, on l'a vu. On a vu le fail de la tourelle. Je ne suis pas la seule personne à l'avoir vu. Ouais, il a réussi, let's go. Regardez, je la prends qu'en boucle. Non, arrête, c'est pas vrai. Arrête. Ça suffit maintenant. Par contre, vraiment, ce spawn là, il est super loin. Il est vraiment super super loin, quoi. Après, c'est peut-être parce que le payload, il est au début de son avancement, mais tu dois pas mal marcher, hein. Quand t'es vraiment au début de ce point, faut pas sous-estimer les kills que tu fais, parce qu'ils mettent vraiment du temps à revenir. Salut Yutori. Mais c'est pour ça qu'à l'ancienne, Symmetra, elle était méta, parce que tu pouvais placer un TP n'importe où depuis le spawn. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tu pouvais revenir de spawn en 2 secondes. C'est fou, non? Je trouve ça ouf. L'ancienne Orisa, t'es vraiment cheatée. Encore... C'est quoi? C'était un coup de bol. Salutations. Après, il y avait 6 charges de TP. C'est-à-dire qu'il y a 6 personnes qui pouvaient prendre le TP, puis après c'était ciao. Ouais, mais quand même. J'avais 6 charges de TP. J'en ai marre de crever de la Widow.
je meurs de manière très random. En début de fight à chaque fois, j'ai un peu le seum. Ah, j'ai presque Thérèse. Je m'en souviens plus. Moi, je me souviens pas de cette charge non plus, non. Je devais pas être assez... assez bonne joueuse pour le savoir. J'étais éclatée à l'ancienne. Ouais, la Symmetra à l'ancienne. En vrai, c'était quelque chose, hein. Il fallait même pas viser pour faire du damage aux adversaires, c'était vraiment quelque chose. Il a utilisé son deflect, vous avez vu. Ah, le bâtard, je me suis cachée. Il a slip mon bras droit, mon bras gauche, là. Il est one. Nice. Non, je suis à vous quand même. Il va shatter. Vite. Attention. On s'éloigne du Reinhardt. Merde. Je crois que j'ai tué Marissa. Attention, le Reinhardt a toujours son shatter et il le garde, hein, vous avez vu comme il le garde. Il a envie de faire un bel ult. Ça clique là. Arrête. Clicksters. D'ailleurs, j'ai trop envie de m'entraîner sur des trucs du style Kovac. J'ai trop envie de devenir une pro-playeuse. De ranked, tu vois. Une pro-playeuse de ranked. Oui. On esquive les Reinhardt. On l'esquive ici. Oh, tu meurs pas genre. Non, j'ai trop le seum. Putain, je l'ai esquivé là, le Reinhardt. Hop là, roule derrière. Nice. C'est un kill en collaboration, on appelle ça. Mm-hmm. Cassé Anaé. Imagine, cassé sur Overwatch. Ce serait une dinguerie, hein. Ce serait vraiment une dinguerie si Overwatch était un jeu attirant. Pour les équipes françaises comme ça. Ce serait trop bien. Hein. Merci Symmetra. En vrai, je trouve qu'on a de la chance parce qu'on a Féfé qui hype et tout avec une équipe. Et ça, c'est cool. Et en vrai, il y a quand même pas mal d'équipes. C'est juste qu'il y a moins de grandes figures qui portent les équipes, en fait. Il n'y a que Féfé qui fait ça. À moins que je me trompe. Mais il me semble que c'est ça et du coup, ça manque, quoi. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs intéressés par la compétition à moyen level. En fait, c'est pas assez intéressant. Yapoko, il est trop fort. Ouais, ça c'est vrai, mais c'est un joueur. Là, je te parle des gens qui créent des équipes, tu vois, qui créent de la hype autour d'une team, qui vont l'accompagner, qui vont la mettre en avant, qui vont créer un vrai truc autour du truc. Le vocabulaire. Un vrai truc autour du truc, et le machin, c'est que le bidule, il existe, et ça, c'est super important.
Ouais, il y a différentes équipes aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres équipes, il me semble, qui ont un représentant streamer qui soit vraiment big de fou. Oh oui, Pipibox aussi, c'est vrai. La griffe se sert de toi. C'est vrai. Il y a plusieurs équipes françaises, mais il n'y a pas de vrai représentant, quoi. Il nous faut des millions d'équipes. Des milliards. En fait, il faudrait que le milieu compétitif d'Overwatch soit intéressant pour que ça attire d'autres acteurs complètement extérieurs à Overwatch de s'investir dans le jeu. Sauf que c'est pas intéressant, donc ils viennent pas, hein. Et puis c'est comme ça, hein. Hop là, esquive, esquive. J'ai failli... On a failli mettre quelque chose de bien, bien propre, là. Hein. J'aurais parié qu'il venait ici. Eh ! Ça sort pas ces choses dans cette game. Merde ! J'ai arrêté de bouger 2 secondes. 2 secondes j'ai arrêté de bouger et je me suis fait différence. Pipi. Ça c'est marrant ça. Je crois que tu peux écrire mime aussi. Mime. Good mime. J'ai vu qu'ils avaient fait un roster féminin sur Valorant, là, l'équipe cassée. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Même si du coup, ça se passe comment quand c'est une équipe féminine, l'équipe peut... être dans un roster, enfin, peut combattre des équipes masculines ou il y a un truc spécifique? Je crois qu'elle peut quand même combattre quand... Enfin... Ah, il y a une ligue à part, ok. C'est curieux, hein. Trouvez ça curieux ou pas? Non. Il m'a tué à travers le mur. Tu vois? Hein? Bah, tu vas traverser le mur, j'avais tourné. Ouais, en vrai, bizarre. Je sais pas, je trouve ça curieux de séparer les deux, mais en même temps, il y a une certaine logique derrière, j'imagine, je sais pas. Peut-être que, comme c'est moins... Ah, il y a une certaine logique. Elle est peut-être pas si mal, la logique, parce que vous savez, comme c'est moins démocratisé pour le milieu féminin, c'est moins développé. La scène est moins développée, et il y a moins de personnes. Et s'il y a moins de personnes qui le font, il y a moins de niveaux. Parce qu'il y a forcément moins de gens qui le font et t'as moins de pépites, en fait. Et comme t'as moins de pépites, bah y a moins de niveaux qu'en ligue masculine, quoi, j'imagine. Et du coup, j'imagine qu'il y a une logique derrière tout ça pour faire une ligue exclusivement féminine. Et pour l'instant, c'est bien la séparation, mais peut-être qu'à un moment donné, effectivement, faudra regrouper les deux. Mais d'ici à ce qu'il y ait autant d'hommes dans l'e-sport que de femmes... Et que ce soit au même level et que ce soit pris dans la même considération. C'est comme le sport classique, il y a encore du chemin, mais je pense que ça pourra peut-être arriver. Moi j'aurais préféré mixte. Ah, le mixte, pour l'instant, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Parce qu'en fait, comme c'est moins démocratisé de manière générale, ça a été moins démocratisé pour les femmes dans les précédentes années, mais il est complètement fou ce renard. Même si. C'est pas possible. Mais ça va pas, hein. Et Rose Funky là, ça va pas, hein. Non, je pense pas que ce soit du sexisme, justement. Enfin, si, en vrai, la séparation pure, c'est la définition du truc, quoi. C'est du sexisme, dans un sens. Mais, en fait, je pense que c'est par équité, tu vois. Comme les femmes sont dans ce milieu-là depuis moins longtemps que les hommes, il y a moins de femmes, et il y a moins de meufs qui sont super on fire sur le jeu. Et du coup,
Bon après ça c'est une théorie un peu foireuse. Hein. Je sais pas trop quoi en... J'imagine qu'il y a une logique derrière tout ça. Et je ne saurais pas la définir. À part ce que je suis en train de dire. Donc c'est-à-dire, comme elles sont là depuis moins longtemps, il y a moins de niveaux, puisqu'il y a moins de gens. Et si tu les fais concourir directement face à des teams qui sont là depuis plus longtemps, des gens qui sont plus expérimentés, des gens qui sont plus considérés de base, ça fout la merde, quoi. Salut, Naropouette. Merci pour le Prime. Et aussi le harcèlement qu'elle pourrait... Il y a plein de trucs comme ça, assez subtils, qui font que je trouve que séparer les teams full homme, full femme, et les faire se combattre les uns contre les autres, femme vs femme et homme vs homme, c'est pas déconnant. Même si c'est curieux, c'est pas déconnant. C'est-à-dire que j'aimerais bien savoir pourquoi c'est comme ça, et pas autrement. Qu'est-ce qui explique tout ça? Parce qu'à part le truc dont je vous parle là, je vois pas trop le... l'explication. En fait, c'est ancestral. C'est vieux comme le monde. Si vous voulez, le cliché de la meuf, le cliché du les jeux vidéo, c'est pour les garçons, les clichés comme ça, là, en fait, c'est tellement ancré depuis super longtemps que les meufs ont mis plus de temps à aller sur les jeux vidéo et donc à se construire un truc. Et du coup, là, on est en train de rattraper le retard et pour ça, il faut séparer les deux en attendant, quoi. Non, ça, c'est pas vrai, Droopy. C'est sociétal, si tu veux. Des meufs qui sont moins inspirées, c'est juste les gens qui leur disent « Ouais, non, c'est peut-être pas pour toi. » Et justement, on dit aux gars « Ah bah, c'est peut-être pour toi, ça, les jeux vidéo. On pourra peut-être aimer. » En fait, ils sont plus facilement ancrés dans le milieu que les meufs. Donc c'est juste qu'il y a moins d'échantillons de personnes d'un côté que de l'autre. Et le temps de rééquilibrer le côté féminin, eh ben, faut leur laisser le temps de se recréer tout un truc. Je pense que la scène e-sport est très masculine et laisse peu de place pour les femmes, donc elle crée une catégorie à côté pour faire briller les joueuses pro. C'est en rapport avec ce que je dis, ouais, je pense. C'est en rapport avec ce que je dis. Si vous voulez, comme il y a moins de gens de base, comme il y a moins de gonzes qui ont été initiés au truc, il y a forcément moins de gens qui sont forts, et le niveau est forcément plus bas. Et comme il y a moins d'échantillons qui est de base mis dans la même marmite que tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Statistiquement, il y a plus de gens qui font une certaine activité, il y a moins de gens forts sur cette activité. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc les meufs sont pas forcément moins fortes, mais il y a juste moins de meufs stackées sur le jeu. C'est ça, en fait. Comme il y a moins de meufs, il y a moins de meufs qui sont fortes. Et comme il y a moins de meufs qui sont fortes, eh ben, on se dit que les meufs sont nulles, alors qu'en vrai, non, c'est juste qu'il y en a moins sur l'échantillon global, si vous voulez. Genre, il y a 20% de meufs, 80% de gars, je dis un truc au hasard. Hein. Mais forcément, dans le tas des 80%, t'auras plus... Imaginons, c'est la même proportionnalité de meufs et de gars qui sont fortes. S'il y a 20% et de 80%, la même proportionnalité sera beaucoup plus haute de 80%. Enfin bref, vous voyez le truc? Du coup, je pense que c'est bien de laisser le temps aux meufs d'arriver sur le milieu, de pouvoir se gonfler un petit peu un truc. Et puis, au moment où est-ce qu'on sera au même niveau, là, on pourra commencer à faire des trucs mixtes, je pense. C'est ma théorie. C'est ma vision du truc. Ça peut être amélioré, vous pouvez donner votre avis, ça me dérange pas. Mais voilà. Les amis, c'était la dernière game de GameViewers. J'espère que ça vous a plu. Petite game viewer du dimanche. On n'a fait pas longtemps aujourd'hui, mais j'ai bien envie d'aller en ranked là. Donc merci à vous d'être venus. Alors j'ai raté le début de la conversation, mais sur Valorant par exemple, techniquement, rien n'empêche une femme de rejoindre la compétition classique. Mais une ligue exclusivement féminine a été créée justement pour permettre d'ouvrir plus de portes à l'esport féminin. Ça, bien sûr, si on prend les trucs... comment dire? Les trucs qui sont faits pour que ça s'améliore, c'est une bonne chose. Je dis pas le contraire. Je dis juste que, de manière générale, depuis super longtemps, les meufs sont moins initiées aux jeux vidéo. Et ça, c'est un truc qu'on rattrape aujourd'hui. Mais ça a été le cas et rien ne peut y faire, tu vois.
même s'il y a plus de choses qui font que c'est attirant pour une meuf d'aller en compétition et tout, ça c'est une chose, c'est cool. Mais le truc c'est que ça remonte quoi. Ça a été moins smooth pour les gonzes d'aller sur les jeux dans le passé. Aujourd'hui ça l'est un petit peu plus, mais ça prend du temps. Voilà. Donc c'est bien qu'ils fassent des trucs dans le sens pour que ça puisse être attirant pour les femmes d'aller dans le monde de l'e-sport. Mais voilà, c'est un taf qu'il faut se faire en plusieurs années, quoi. Ouais, on a 2000 ans de retard, les gonzes. Ouais, j'essaye de pas trop dire le même adjectif tout le temps. Les femmes, les filles, les gonzes, tu vois, je change un petit peu. Comme ça, c'est varié. Mais franchement, j'ai hâte de voir plus de teams féminines naître et qu'il y ait un vrai e-sport autour de ça et que les gens soient vraiment hype par le truc. Déjà, la team cassée, en vrai, je trouve ça trop cool parce que justement, ça rajoute de la hype autour d'une team féminine et ça c'est super. Et je ne rêve que d'une seule chose, c'est que l'e-sport Overwatch soit suffisamment attirant pour que les gens aient envie de faire la même chose sur Overwatch. Mais bon, de toute façon, il n'y a même pas assez de team masculine pour que ce soit intéressant, donc féminine, j'ose même pas y penser. Du coup, tu vas devenir joueuse pro pour pouvoir inspirer les futures générations. Ah, moi je suis une joueuse professionnelle en ranked. Hein? Voilà, ranked, c'est tout. Après, avec une équipe et tout, on verra si ça change avec le temps, mais ça m'inspire, hop, du tout. Faut se dire que l'éducation... Ouais, là, c'est juste une question d'éducation. N'est pas la même aussi, un garçon, tu l'éduques... Alors, n'était pas la même. Il faut changer ça, justement. Il faut changer ça. Ça a toujours été comme ça, mais il faut changer le truc. Faut pas se dire, ah bah ça a toujours été comme ça, et ça restera comme ça. Non. Moi, je voulais... Regardez, moi, par exemple, simple, quand j'étais petite, je voulais trop avoir une voiture télécommandée, parce que je trouve ça trop cool. Il y en a même qui existent, et elles pouvaient monter sur les murs, tu vois. Et... Merde. On me disait... C'est pour les garçons, ça, Annel, tu sais. Et puis, après, on disait que j'étais un garçon manqué, parce que j'aimais bien jouer à la DS et tout. Et j'étais en mode... Alors, je suis pas sûre de votre théorie, là. Bon ouais, après j'aime bien les jeux vidéo quoi, tu sais, c'est pas hein, la voiture télécommandée c'est cool parce que c'est cool quoi, je suis pas forcément, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai entre les jambes quoi, c'est pas les DS que pour les garçons. Non, s'il vous plaît, laissez-moi jouer à Nintendogs. Ouais, bon, après ça c'est une éducation qui est quand même assez vieille, donc voilà, ma daronne, j'essaye de lui, voilà, lui faire comprendre tout ça. Le rose, le bleu, ça fait partie du truc, hein. Ça fait partie du truc. Mais bon, voilà, c'est une génération d'éducation. Maintenant, c'est à nous de changer les choses, messieurs, dames. Ok, c'est simple. Chacun fait ce qu'il veut, en fonction de ses goûts. Et ça n'a rien à voir avec son genre. C'est aussi simple que ça. Et la déesse rose, ils l'ont fait pour qui, alors? Arrête! Justement, je pense qu'ils l'ont fait pour que les parents acceptent d'acheter ça à leur gosse-fille. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Il faut changer ça. Il faut changer ça, messieurs, dames. Voice. Hello! J'ai la flemme de jouer ça. Est-ce que je joue ça, vous pensez? Non, mais elle a 3 secondes de dash, là. J'ai pas envie de jouer ça, moi. Allez. Bonsoir. Kiriko. Pas joué depuis 2 semaines. Ça va ou quoi? Anaï aime les grosses bagnoles et les jeux vidéo. Anaï, 3 ans. Moi, j'adore les voitures. Vroom, vroom. C'est la dernière génération comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Non, mais il faut qu'on change ça. Hein. Faut pas qu'on reste comme nos darons, tu vois. Il faut accepter, je pense, que nos darons... Ils vont avoir du mal de changer d'avis. Mais nous, il faut pas qu'on pense comme ça. Parce qu'on est stoupi si on pense toujours comme ça. Prends du pincé. Big man. Elle se vend, je puis. Imaginez, je savais viser avec ça. Je sais pas viser avec ce perso. Je crois que je vais jouer Mercy là parce que Kiriko, moi c'est pas mon. Faut pas me laisser Kiriko, je fais un ravage après.
Tu vas dans un magasin de jouets, tu regardes la gueule des rayons, tu comprends vite d'où viennent les influences. Ah, c'est clair, c'est clair. L'horreur. Et tu sais, imagine, t'es complètement extérieur à notre société. Tu vas dans un magasin de jouets, t'es en mode... Attends, mais les gens qui aiment les bébés en plastique, là, ils aiment forcément le rose. Et ceux qui aiment bien les Lego, les Playmobil, ils aiment forcément le bleu, tu sais. Je comprends pas, genre, il y a un code couleur chelou. What the fuck? Ah, je peux pas tâcher tout le temps, ça me fait bizarre. Signet. Voilà. C'est pas Jojo, hein. Encore. In the system. Unsafe and dead. Ça, c'est nice. Super. Ok, faut juste que je me calme sur les dashs et ça ira mieux. Second HP. 3 secondes. Non, et. Focus qui vous call. C'est qui vise là? What? Oh, le Sigma, mais il est malade. On me, Genji. How? One, death. Oh, mais il est malade, le Sigma, il regarde Sigma. Que ma phare. Il est zanzino. Merci. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est bien d'avoir une équipe française full féminine avec une organisation qui est plutôt hype. C'est trop bien. Je me fais déglingousse, mais c'est trop dur à jouer avec 3 secondes de cooldown là. Le dash, c'est trop dur. La vache. Plutôt hype. Alors que c'est la meilleure structure FR. Quand je parle comme ça, je suis pas... C'est bien. C'est bien. Alors, switch. C'est bien. C'est très bien. Après perso, je ne suis pas l'e-sport Valorant, ça ne va pas changer parce que c'est une équipe féminine, mais c'est cool. On a half. Je m'imagine avoir ça sur Overwatch et franchement, ce serait trop cool. I'm dead. En fait, un milieu e-sportif comme sur Valo, mais avec Overwatch, serait le rêve absolu. GG. Franchement, on a fait aucun effort là. On a fait aucun effort en vrai. C'est quoi cette game? Qu'est-ce qui se passe là? We'll go next. It's not winnable. Ouais. Bizarre. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça, c'est de la bonne ranked, comme on les aime. L'enfer. C'est ça ma game là. La différence c'est que Riot aide beaucoup à développer les sports de son jeu là où Blibli. Riot, il y a tout qui va bien. La com est cool, les trucs autour du jeu sont cool. La compétition est cool. À n'importe quel niveau, la comp est cool. Elle est cool à regarder, cool à suivre. Il y a des trucs qui sont mis en place avec les créateurs de contenu pour mettre en avant la compétition dans tout le monde entier. Hein? Let's go, play Faro. Let's go. Ah, j'allais prendre Ana. Ne t'inquiète pas, je serai juste derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a, Harrison? Les prix des skins sont chers aussi, par contre. Ouais, mais les skins, en vrai... Je vous jure, on met de l'importance sur un truc qui est pas réel. Hein. C'est du cosmétique. C'est de la forme, le skin. On s'en fout un peu. Hein. Moi, si les skins ils coûtent 30 euros, mais que le jeu derrière il suit, je suis très contente. Hein. Le skin de Ange, je l'ai eu sur Overwatch 1. Je sais plus quand je l'ai eu.
Après, en vrai, je pense que Blizzard, ils sont en train de s'améliorer. J'ai encore l'espoir que qu'avec le temps, ça fasse le taf. J'espère que la comp sera plus hype dans quelques temps. Ah voilà, il y a quelques trucs qui peuvent être cool, mais c'est vrai que... Jusqu'à présent, en tout cas, c'est un peu mou. C'est un peu mou. Ash Knight, 1 HP, literally. Il y a un Genji derrière. Genji! J'ai trop le seum de ne pas pouvoir jouer Ana. Mais c'est moi pour qu'elle t'en Ash. Please. Thanks. Ash main. Notre Ana, c'est une petite DPS un petit peu. Blizzard, c'est en cours de processus, c'est très bien. On y croit, on y croit. Moi, ils me font un peu peur quand ils partagent le trailer de la saison 3 et que le principal contenu qu'il y a dedans, c'est du skin. C'est du cosmétique. Ils me font un peu flipper. Bon. GG à tous. Il a dit please, t'énerve pas, Anaï. Non, non, mais t'inquiète, tranquille, tranquille. Je m'énerve pas, tout va bien. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est quand les mecs dans les teams, ils disent c'est lose. GG. Unwinnable. Can't do more. Ce genre de discours, là, je suis un peu en mode... Tu vois, j'ai envie d'attaquer mon écran comme ça. Mais je garde mon calme. Ou genre, il diff. Ça, c'est un autre level. Ça, c'est un autre level parce que je commence à retrouver son adresse IP, tu vois. Puis après, je le DDoS en boucle. Comme ça, là. Il diff, c'est marrant. Ça a un petit côté comique, parce que ça veut dire que le mec n'a pas conscience de certaines... Bon, bref. Speak Genji qui a mis 5 minutes à avoir une blade. Ouais, c'est ça. Il diff. En même temps, tu regardes d'autres jeux, t'as pas des events tous les 2 mois, souvent t'as juste des skins tous les 4-6 mois, t'as un vrai truc. Tu penses à quoi, par exemple? Bizarre, ils ont voulu forcer la compétition pro avec l'Overwatch League en imaginant quelque chose de trop gros. Ouais, c'est ça. Les fondations étaient trop faibles et ça s'est écroulé. Ouais, ça paraît fou. Hein. Et parce que le jeu est quand même cool, tu vois. Si vous êtes là sur ce stream, c'est qu'il y a une part de vous qui croyait en Overwatch 2 quand même. Tu vois, t'aimes bien le jeu, t'as envie de le suivre et tout. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Mais à force, non, on aime juste la douleur. Oui, mais on est que dalle. Ah, ça va, hein. J'essaye de faire mon stream comme je peux, Heisenberg. Ça va, la critique. Je hais ce jeu. Je suis pas là du tout pour ça. Ah merde, c'est vrai? Mais pas du tout. C'est vrai, El Padre, t'es venu jouer ce matin? El Padre. Riot ont du mal à faire un bon launcher qui bug pas. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir de toute façon. Honnêtement, si je suis sur le live, c'est pour les drops. Régale-toi, mon pote. Overwatch est un jeu excellent quand on s'y intéresse un peu. J'ai pas envie qu'il meure comme Titanfall 2. J'ai pas envie qu'il meure tout court, hein. J'ai pas envie qu'il décède. Non mais je lis des messages là, vous êtes zinzin, hein. C'est trop drôle. Laissez le Kitsune vous abonner. Laissez le Kitsune vous abonner. Merci beaucoup pour le 4e mois, Advenoudi. Il y a quand même quelqu'un dans ce chat qui a dit « Perso, m'en fous du jeu, je suis juste là pour tes beaux yeux. » Moi, vous croyez que je suis là à stream pour le jeu? Non, moi je stream pour vous. Moi, Overwatch, j'en ai ras la casquette. Moi, je suis là pour vous. Il a mis hashtag canard pour éviter que ce soit gênant. Pour la tunasse, exactement. Je rigole.
Je rigole. Vous croyez que je stream Overwatch et que je suis là pour la thune? Je serai pas sur Overwatch, hein, si c'était le cas. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Hein. Je serai sur un autre jeu. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je serai sur League of Legends ou Valorant. Tout à fait. Non, là, on est sur Overwatch, c'est... Oh, waouh! Il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Ça, c'est... Oh, ça me fait penser à l'été, au printemps, là. Il faut qu'on fasse un événement. Vous voulez pas qu'on fasse tous un événement ensemble, là? Une grosse LAN, mais genre sans le jeu. On fait un pique-nique. On peut pas louer le Grand Rex pour faire un pique-nique, tous ensemble? Et puis on est en été, et puis on se balade. Alors. Un pique-nique. Ouais, juste une soirée, ouais. Une LAN sans le jeu, ouais. Ça va être bien vite late. Ça vous dit ou pas? Va falloir se parler IRL et tout, ouais. Une LAN nourriture, complètement. On fait des mini-jeux. On fait genre un gros loup-garou. Un contact humain? Non. Bah si, si. Oh, bah, j'adore ça en plus. Discuter avec les gens et tout, j'aime trop dans les LAN, c'est trop chouette. Parce que tu vois, quand tu parles aux gens, quand tu leur parles de Twitch et tout, ils savent. Ils savent de quoi tu parles. C'est trop agréable. Parce que dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas beaucoup qui savent. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va ping genre? Zinzin. Hein. C'est cringe les relations sociales. Mais non, c'est juste que t'as pas rencontré les bonnes, je te jure. Les bonnes personnes, c'est jamais cringe. En fait, c'est si vous décidez que c'est cringe, ça va l'être. Par contre, si vous décidez que ça va pas l'être, bah ça va pas l'être. C'est un truc de ouf, hein. Et genre, on prévoit des mini-jeux et tout. Ouais, mort. Mort. La team biceps qui va pique-niquer dans leur coin déjà. Ça, c'est clair, ça. Il va y avoir des teams. Il va y avoir des groupes. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça va, vous? Je suis là. N'arrête pas le combat. J'ai play monkey. Ok. Suivez mon regard. Je crois que j'ai été des ranks. J'ai été dans une game des ranks, là. Parce qu'avant, j'étais dans une game trop forte, je me suis fait déglinguer. Du coup, Blizzard s'est dit, non, mais... On va la mettre dans une game plate. Les gens ils font nimp. Ce sera mieux je pense. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe mais... Bon Sigma va mourir tout seul ce qui est dommage. Ah non. Ah oh, j'ai loupé le dodo. Ouais oh, c'est pas si grave. Un Among Us IRL. Oh trop stylé. Puis genre on se... Tu sais on se tue vraiment genre. Oula. Non mais t'as vu? Le Sigma il est tout seul dans le spawn. Qu'est-ce que c'est que cette partie? Oula. Oula. Oh, un petit Hunger Games, là. Non, bien sûr. On va pas faire ça. On mettra du ketchup. On mettra du ketchup, ça ira très bien. Mais voilà, on peut faire ça. Oui, moi, cette map, elle me fait penser à ça. Elle me fait penser au printemps. Aux petites vacances, là. Au soleil. Quand tout le monde a beaucoup trop chaud et que c'est trop agréable. Parce que quand tu sors dehors et que t'as froid, moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, c'est sortir en t-shirt dehors et sentir la petite brise bien brûlante, là. Moi, ça, j'adore. Avec grand plaisir. J'ai bien envie de faire un truc en été, là. Été, chat, chien. Ah, mais mon Sigma, le Sigma, il a trop la confiance, hein. Ils sont en train de déranquer en face ou quoi? Ok.
Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah, sorry guys! Il dit ça après avoir campé 3 mois dans l'équipe adverse. Haha, merci, nice try. Soldier d'or. Tu vas pas m'aider, toi. Hein. Bien sûr que non, tu vas pas m'aider. Attention à toi, Cassidy. La neige. Non, mais il y a trop peu de neige en hiver pour dire qu'on préfère la neige. Il y en a trop peu en hiver. Il y en a vraiment trop peu. Et on va perdre le point comme ça? Non, vas-y, c'est trop triste. C'est tout ça pour ça, quoi. Tout ce charabia pour ça. Pas en Suisse. T'as sans doute raison. Les gens en France n'ont jamais vu de neige, mais ouais, je te jure, les sudistes. Moi, j'en ai déjà vu, la neige, hein, mais c'est juste que... Je trouve pas ça... C'est mignon, un peu. Mais tu glisses dessus et tout, c'est pas ouf. Eh, hey, je verrais tellement un épisode, tu sais, un petit court-métrage sur Overwatch. Avec juste une game. Tu sais, une game classique. Où genre, les persos qui jouent, ils ont un esprit shonen un peu. Tu vois ou pas? Genre Widow, elle est là, elle fait des kills et tout. Elle fait des kills et puis elle a une conscience à un moment donné, elle hésite à faire un kill, du coup elle se fait récupérer, enfin... Tout un truc esprit shonen. Un petit animé comme ça, sur une partie d'Overwatch. Un truc super random. Le ski. Ouais, moi le ski c'est pas un truc irremplaçable. Je peux grave le remplacer le ski, c'est pas mon grand kiff non plus. J'aime bien, mais je pourrais m'en passer. Large. Un peu truc de riche, ouais. Mmh. Oh, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que je pourrais m'en passer. Ah, il fait trop froid, ouais, ouais. Oh, mais elle se fait jamais nade, celle-là. Elle est toujours en train de manger mes... Mes grenades, meurs pas s'il te plaît. Voilà. Super. Tip top. Ils perdent leur tank à 15 secondes. Tu nous invites à faire une fondue? Oh, oh hier j'ai mangé raclette, c'était trop bon. J'ai mangé hier une raclette et les gens m'ont jugé sur Insta parce que je leur ai montré cette vidéo. J'ai mis un truc en story. Vous me dites ce que vous en pensez. Et franchement, si vous avez jamais testé, essayez. Une fois, s'il vous plaît. Vous avez tous vu. Vas-y. J'ai pété un cœur. Ok. Jurez, vous mettez pas de... De cornichons dans vos... Arrêtez. Vous mettez pas de cornichons dans votre raclette? Eh, hey, je vous jure, c'est trop bon. Tu le fais chauffer en même temps que le fromage, là. Mouah. C'est super bon. Eh, hey, avec... Franchement, ça relève le goût. T'as du fromage, un petit peu de cornichons. Tu les coupes en rondelles, comme ça. Tu les mets dessus. Comme ça, tu chauffes en même temps. Et après, tu manges tout en même temps avec la patate. Ça rend trop bien. Je vous jure, si vous avez jamais goûté, essayez la prochaine fois. Je vous promets. Je vous promets. Vous me faites un débrief sur Insta ou vous venez ici m'en parler et je serai trop contente. N'essayez pas. Je te jure. Essayez. Ça relève le goût, je vous assure. Ok? Faites-moi confiance un peu là. On est d'accord, UFF?
C'est... Je relève ton message parce que tu es la seule personne du chat qui me donne raison. Tout le reste me juge. On est les seuls, UFF, laisse tomber. Ah, Jacouille. Jacouille qui vient m'aider dans cette quête. Au pire, c'est toi, tu kiffes, Osef. Ben, en réalité, j'ai bien envie de faire une propagande. J'ai bien envie de propagander, tu vois. Donc j'ai envie que les gens goûtent et se disent « tu avais raison, en fait. C'est super bon. » Mais oui, en réalité, je m'en fous, t'inquiète. C'est juste ça me fait rire, les réactions. Parce que c'est délicieux, vous ne le savez pas. Hein ? Le palais d'Oberman. Attention. Attention, attention. Moi, j'adore manger. Déjà, qu'est-ce que j'aime qui est un peu bizarre aussi. Qui peut... Je suis désolée. Qu'est-ce que j'apprécie également et qui peut faire discuter un petit peu. Il n'y a pas d'autres trucs comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça? Non, les huîtres, non. Pas du tout. Les pêches au thon, j'avais goûté une fois, c'était immonde. J'ai goûté un autre truc aussi, c'était quoi? C'était les crevettes au pamplemousse. J'ai jamais mangé un truc aussi dégueu de ma vie. Vraiment, je n'en pouvais plus. Hein. Les crevettes au pamplemousse, les gars? Tu dors! C'était immonde. Des endives. Ah, les endives avec des petites noix, là. Moi, j'aime bien ça, ouais. J'adore les endives au jambon. Est-ce que vous aimez les endives au jambon? Les endives au jambon, et c'est trop bon, je vous assure. Tu prends de la béchamel, tu prends du jambon, tu prends une endive, et t'as le meilleur plat du monde. Avec un peu de gruyère. Il est allé en bas, ouais. Allez, je quitte ce stream. C'est super bon. Cuites, non, mais sinon ça va. Ah, bien sûr que tu les cuis. Bien sûr qu'il faut cuire les endives. Ils aiment bien réveiller mes slips, je crois. Hein. Ah, ils aiment bien réveiller mes dodos. Je mange tout dans le plat sauf les endives. C'est... Quand c'est bien fait, c'est vraiment super bon. Trop de goût de Doberman. Arrêtez. Vous ne savez pas ce que vous dites. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu aimes les chicons? Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça, en fait, les endives au jambon, ouais. Ah, c'est super bon. Ah oui! C'est un kill en collaboration, ça. Oh, j'ai dodo trop tôt. J'ai lu l'avenir. Ball, c'est vraiment chiant. On est sur un perso ultra relou. La game était what the fuck. J'ai jamais eu ça. Elle était trop bizarre, cette partie. Good job, messieurs, dames. On a eu le temps de faire 2 ranked. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En plus, il nous reste plus qu'une game à faire pour être mis à jour. Putain, c'est la sauce. Ok. On fera la prochaine game la prochaine fois. J'ai une mauvaise nouvelle, messieurs dames, il est 3:30. Il est 3:30. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure. C'est l'heure pour moi de vous quitter. Je suis en retard en plus, ouais, c'est vrai. Là, je vais descendre, ma mère elle va faire. T'es en retard! Viens par là! Allez, on va aller en raid chez qui, je ne sais pas. Qui c'est qui joue à Overwatch ce matin? Y'a personne? Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne qui joue aux jeux vidéo gaming? Chez qui on va, en fait? Tiens, on va changer un petit peu.
On va aller chez Onutrem. On va changer un petit peu. Allez, allons chez Onutrem. Je pense qu'il va pas stream encore très très longtemps, mais bon. Est-ce qu'il stream... Attends, parce que je vais regarder quand même. Le stream. Allez, on va aller chez Onutrem. Messieurs, dames, merci à tous d'être passés aujourd'hui. C'était fort sympathique. J'espère que le stream vous a plu. J'espère que les Game Over vous avez bien apprécié. Moi, j'ai super bien... J'ai super kiffé les balls dans les parties. C'était vraiment un pur plaisir. Je vous donne rendez-vous pour le prochain stream. Alors, ce sera quand? Demain, après-demain? Je sais pas. Lundi, mardi? Je sais pas. Je vous tiens au courant sur Discord, Twitter, Instagram. Je vous fais des bisous. Passez un bon dimanche. Et à la prochaine, bien sûr. Oubliez pas le giveaway. On fait un giveaway sur Twitter. Venez participer si vous avez un compte Twitter, messieurs, dames. Giveaway sur Twitter, hein. Ok ? Allez, venez. Bisous à tous. Salut, salut. Bon boy. Bon boy. Bon courage pour ceux qui reprennent demain, là. Ciao. Tirage ce soir à 18h. Ok ? Allez, bisous.